Bonjour, je m'appelle Jean-François Tourangeau. Je suis le plus ancien guide ambassadeur, humblement, du Parc olympique de Montréal. Le Parc olympique, c'est ma vie. Ça a beau faire une petite 20 ans que je travaille ici, puis c'est toujours magique. Il y a quelque chose d'historique, ou je sais pas, dans le lieu, un lieu de rassemblement comme ça, ça... Même quand il n'y a pas de gens assis, t'es entends, t'es voix. On est au sommet de la plus haute tour inclinée du monde, 165 mètres de hauteur. C'est la tour du Parc olympique. Moi, je suis un petit gars d'Hochelaga. J'ai grandi ici. Je vois mon quartier à chaque jour. Puis moi, ben, à défaut de voyager quand j'étais jeune, ben, je partais d'Hochelaga en vélo. Je m'en venais ici. Puis là, je rencontrais les gens de partout dans le monde qui venaient visiter Montréal. Puis c'est comme un point de chute sur le monde, finalement. Donc, je suis devenu un guide touristique officiel qui joint deux de mes passions, dont la rencontre avec les gens. Et cette magnifique métropole francophone d'Amérique. Quand j'étais plus jeune puis je travaillais ici le soir, ben il n'y avait personne. Donc souvent, on amenait nos patins à Wallinier. Puis on descendait les rampes, les grandes rampes pour les cartes électriques. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Je sais pas si mes skills, on va l'essayer, voir. C'est la chance, le retour. Tu sais, je me suis rendu compte avec le temps, en travaillant au Parc olympique, mais avec la clientèle du parc, je suis toujours en contact avec des gens heureux. C'est pas comme le bureau du passeport, là. C'est vraiment des gens qui sont juste très contents d'être ici.